Bonjour tout le monde, donc je suis le professeur Liaset El-Hadj, je suis le président de la Société algérienne de la chirurgie de genoux, de la hanche et d'arthroscopie, la SAGA. Nous y voilà. Donc demain on va partir, Inch'Allah, donc pour la troisième rencontre des ROR. ROR c'est rhumatologie, orthopédie et médecine physique, la rééducation. Donc demain on y sera, Inch'Allah, à Tamanrasset. Donc on a choisi Tamanrasset pour deux raisons. La première raison, donc c'est déjà, on va se retrouver les trois spécialités pour débattre en dehors du stress d'Alger. Et la deuxième raison, on va permettre aux amis étrangers qui vont venir de découvrir notre beau pays qui est le désert, Tamanrasset. Donc parmi nos amis qui vont venir, donc on aura des Français, on aura des Tunisiens, donc ils sont très ravis de venir ici. En sachant que l'année dernière on a fait les ROR2 en Tunisie et l'avant-dernière en 2020, donc on l'a fait à Biskra. Donc ça nous a permis de découvrir beaucoup de gens. On en profite aussi de partir à Tamanrasset. Donc on va faire aussi une petite formation pour nos généralistes qui sont invités à venir chez nous, donc pour voir le débat, et on va faire quelques consultations. Donc grâce à notre chef de service, le professeur Yaroubi, donc il y a ce qu'on appelle un jumelage entre Tamanrasset et Alger. Donc on va essayer de voir des malades qui nécessitent des interventions en Algérie, donc on va essayer de les ramener dans le service. Il y aura aussi nos aînés, nos maîtres, donc professeur Kara, professeur Noir, professeur Bouzitouna, professeur Larbaoui, désolé, donc je ne peux pas les citer tous, mais il y aura quand même un bon panel de référents en matière d'orthopédie et de référents en matière de rhumatologie aussi et de médecine physique. Donc demain on y sera demain le 8 à Tamanrasset. On est 150 ou 160 médecins. Je suis vraiment désolé et navré pour les autres médecins qui veulent s'inscrire. Vous savez, il y a un très grand problème de transport vers Tamanrasset, mais on vous promet qu'on va refaire ça, Inch'Allah, avec un nombre assez conséquent. Je vous remercie.